Dans cette vidéo, je vais parler d'Instagram. Si tu as un compte Instagram ou bien tu as en vue de créer un compte Instagram, voici quelque chose qu'il te faut savoir. Je te dis ce qui m'est arrivé afin que tu saches. Tu vas créer un compte, tu vas poster une photo ou deux photos. Tu vas revenir après 5 mois, poster une photo ou deux photos ou 3 ou 5. Tu vas disparaître, tu vas revenir après 5 ans, poster une photo. Là, c'est bien. Là, c'est très bien. Les pirateurs de compte, ils adorent ça. Ils adorent ça. Parce que tu es en train de faire quelque chose qui ne va pas t'aider. Ils savent que de cette façon, ton compte Instagram, là, ça ne va pas aller loin. Bon, maintenant, si tu fais ceci, si tu postes une photo chaque jour, chaque jour où tu postes une vidéo, chaque jour où tu postes, chaque semaine où tu postes, chaque 3 jours, là ça ne leur plaît pas. Les pirateurs de compte n'aiment pas ça parce que tu es en train de faire quelque chose qui est bien. Ils savent que ton compte va grandir, avoir des followers et tout, et maintenant ils vont essayer de pirater ton compte. Donc moi j'ai créé un compte Instagram, ça fait je ne sais pas, je crois plus de 2 ans. Et je n'avais jamais posté. Le compte était juste là. Et je follow un certain gens. J'ai follow 50 Cent depuis longtemps. Je regarde tout ce qu'il fait, tout ce qu'il poste et tout. Et c'est le mois d'avril dernier que j'ai commencé à poster sur Instagram. Et comme je disais donc, j'ai posté, j'ai disparu. Personne n'a essayé de pirater mon compte. J'ai posté, j'ai disparu. J'ai posté, j'ai disparu. Après, je ne postais plus. Bon, quand j'ai décidé donc de faire des vidéos et poster chaque semaine ou chaque 2 jours, c'est là où maintenant donc les pirateurs de compte se sont intéressés à moi. Ils se sont intéressés à moi et ils m'ont essayé. Ils ont essayé de pirater le compte, mais j'ai récupéré ça dans leurs mains en 2 minutes. Et j'étais couché dans mon lit. Imaginez que j'étais assis. Je ne sais pas ce qu'ils ont pensé, ou ils ont cru que je suis le Bitcoin, ou bien que j'ai trop d'argent. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Donc, je veux dire que quoi dans cette vidéo? Je veux dire que chaque fois, avant de faire quelque chose, demande-toi qu'est-ce qui peut te stopper. Et tu stoppes ce qui est supposé te stopper avant de commencer.